Ja, kennengelernt habe ich das Institut Français über die Uni. Also ich habe damals Theaterwissenschaften studiert und da gab es ein Filmseminar über französischen Film und das hat uns die Möglichkeit gegeben, die Filme zu sehen, die man normalerweise im Kino nicht gesehen hat. Für mich, also die wichtigste Entdeckung war die Entdeckung von Bresson, dessen Orsay Balthasar war der erste Film, den ich dort gesehen habe. Und das hat mich doch sehr beeindruckt und beeinflusst auch später in meiner Arbeit. La bibliothèque est un lieu public accessible à tous. Vous pouvez venir nous voir feuilleter une revue sur la terrasse, lire un livre sur un fauteuil, regarder un DVD ou écouter un CD gratuitement sur place. Seul l'emprunt est payant et il suffit d'être membre de la bibliothèque. Donc récemment, j'ai découvert que l'Institut français avait une grande qualité de collection de bouquins pour la philo. Et ça m'intéresse parce que je prépare des concours et donc j'ai besoin de faire énormément de lectures. Alors on trouve vraiment énormément de choses de qualité et surtout on les trouve en français, ce qui est très rare à Vienne. Donc on a accès à de la presse en ligne, des journaux, des magazines, de la bande dessinée en ligne, pour les enfants comme pour les adultes, des concerts de la Cité de la Musique et aussi des livres pour les personnes qui apprennent le français de niveau A1 jusqu'à B1. Le service culturel de l'Institut français il organise à peu près une dizaine d'événements par mois. Notamment beaucoup de conférences, d'expositions, des événements cinématographiques. Donc on organise par exemple le FFF, le Festival du film francophone, et aussi énormément de concerts de musique. Juste à ce moment, ils entendent du bruit, ils se retournent, qu'est-ce qu'ils voient ? Babar qui arrive dans son auto et tous les éléphants qui courent et crient « Les voilà ! Les voilà !» Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans ce salon rouge. Les missions du service de coopération scientifique et universitaire se déclinent suivant deux axes. Œuvrer activement au développement des relations entre la France et l'Autriche et promouvoir le dialogue entre les chercheurs et le grand public sous forme de conférences dans tous les domaines scientifiques. Campus France est une organisation qui s'occupe d'aider les étudiants autrichiens qui veulent aller faire un séjour en France à trouver les bonnes informations, que ce soit pour des séjours linguistiques, des séjours au pair par exemple, des séjours étudiants aussi, trouver les bonnes universités. Et on s'occupe aussi de développer des partenariats en fait, entre établissements français et établissements autrichiens, que ce soit au niveau lycée ou au niveau universitaire. À l'Institut, vous pouvez suivre des cours de français les mardis, mercredis et jeudis. Ce sont des cours semestriels proposés au niveau A1 jusqu'au niveau C2. Il y a aussi un cours de français par le cinéma. Moi, j'aime énormément donner des cours ici, principalement parce que les gens qui passent la porte de l'Institut viennent très motivés. Et ça, pour un professeur, c'est simplement parfait.